Eh bien, salut à tous les amis, c'est Benji034 et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comment télécharger des ressources packs? Ça, c'est le lien pour la description. Comment télécharger des ressources packs sur Minecraft? Pour ce faire, il faudra ouvrir son Minecraft, mais ça sera après ça. Alors, vous allez sur un site. Site n'importe lequel, comme je vous ai dit, mon préféré c'est Minecraft France. Oh, bah, si ça commence à bugger, ça va pas aller. Alors, bon, j'ai dû copier-coller le lien. Et pour ce faire, vous allez télécharger une ressource pack sur Minecraft France. Je sais pas, on va télécharger la première et on le fera en 1.8. 1.7.10, ça revient au même. Si vous voulez être en 1.7.10, ça revient largement au même. Avant ça, c'est sur Ressource Pack 1.8. Bon, moi je vais sur Ressource Pack 1.8. Je vais lire à la suite. Bon, j'appuie dessus. Voilà, vous allez choisir votre truc et vous arrivez. Vous appuyez sur le lien que je vous ai dit là. Et vous pouvez la télécharger. Bon, on n'a pas besoin de se connecter, sauf si c'est vraiment obligé. Alors, ça commence à bugger. Ça commence à être pas bien ça. Parce que je déteste quand ça bug. Alors, je ferai une ellipse quand ça arrête de bugger. Alors voilà, je vous dis. Prochaine. Voilà, ça a arrêté de bugger et j'ai envie de vous montrer à quoi elle ressemble. Alors, elle ressemble à peu près à ça. Et moi j'aime bien. Alors voilà. Télécharger, c'est ici qu'on télécharge, c'est tout en bas. Après, si le site il a changé, si vous regardez la vidéo plus tard, peut-être que le site va changer. Alors, je sais pas si ça va être tout en bas. Vous téléchargez Heliocraft. Bon, elle s'appelle comme ça, je peux rien y faire. Ça se passe, ça finit un peu vite. Oh, bon, maintenant il nous faut ça. Bon, ça commence déjà sur le Mediafire, c'est ça que j'aime bien sur Minecraft France. Font des trucs Mediafire, hein. Ça va vite les Mediafire. Bon allez, vous téléchargez votre texture pack que vous avez choisi. C'est en point zip, hein. Les textures pack ça a toujours été en point zip. Sauf, je sais pas, moi j'ai jamais vu de texture pack qui n'était pas en point zip. Alors il y en a qui disent pourquoi, qu'est-ce que c'est un point zip? C'est des dossiers compressés, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Et vous? Voilà, c'est ça les principes. Alors, ça va vous ouvrir un onglet quand vous avez fait ça, qui est un fichier de type zipped folder, un emo, 11 emo, 11,0 emo, et vous ouvrez pas avec, alors, si vous voulez, mais moi je vous conseille de mettre enregistrer le fichier et vous marquer OK, comme d'habitude. Et ça va très vite avec Mediafire, on le voit très bien. Et quand c'est fait, vous allez en haut. Vous prenez votre dossier .zip, votre onglet .zip. Voilà. Vous mettez en plus petit. Oh non, on va carrément quitter Heliocraft. On n'a pas besoin de aller dans le site si vous voulez. Mais moi, j'ai pas trop envie d'aller dans le site. Réduire. Alors, une fois que c'est fait, vous allez dans votre Minecraft, comme d'habitude. Vous mettez pas play, vous allez sur Edit Profil. Open Game Gear, comme d'habitude. Moi je vous présente OpenGameDir parce que il a les AppData% qu'il y en a et qui ne savent pas faire les pourcentages. Alors ça va être un peu galère, alors moi je vous dis OpenGameDir. Et après que vous allez dans votre point Minecraft, vous aurez toujours, hein, quand vous aurez votre Minecraft, vous aurez toujours le dossier ressources pack. Et vous allez dans votre dossier ressources pack. Alors ça c'est plein de dossiers que j'ai. Et ne vous en occupez pas. Je commence à bien dire. Alors une fois que c'est fait, votre dossier .zip,
Vous le mettez. Bon, ça bug. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ça bug énormément. C'est bon. Ça bug vraiment. Voilà. Vous le mettez ici. Heliocraft, il est dans votre dossier ressources pack. On peut qu'à quitter. Marquez quitter. Quittez votre truc et vous allez sur votre Minecraft pour vous montrer la texture. Alors je fais une ellipse pour aller dans mon Minecraft. Alors je vous dis à tout de suite. Hop, pénèse. Alors oui, ça me l'a mis en grand écran. Désolé pour l'écran noir. Bon, là ça bug un peu. Je vous le dis, ça bug un peu. Alors je vais pas présenter la texture parce que ça va trop bugger, je vous suis désolé. Oh, par contre le Skype là, je le mets un peu loin. Et vous aurez, bon vous l'avez toujours, hein, comme je vous l'avais dit, vous l'avez toujours, le pack de ressources. Vous allez sur pack de ressources dans votre Minecraft. Et vous aurez toutes les packs que vous avez téléchargés. Celle-là c'est la mienne. Alors, vous allez sur votre texture pack, vous la mettez ici. Voilà, là vous marquez terminé. Et ça va un peu le télécharger dans votre Minecraft. C'est pour ça que ça va durer un peu longtemps. Ah ouais, bah, ça dure tellement longtemps que ça a fait un gros bug tout bizarre. Là. On va vite faire un pause. Une ellipse. Et voilà, j'ai mis ma texture pack. Bon. Voilà, modification, terminé. Voilà, à quoi elle ressemble. Comme ceci, voilà ma texture pack. Elle ressemble comme ça parce que votre texture pack va peut-être pas être la même. Alors je vous dis, alors votre texture pack est tellement bien fait. Et maintenant je vous dis, bon, je quitte mon Minecraft. Et maintenant je vous dis, peut-être hein, parce que je suis pas sûr. Hein. Maintenant je peux vous dire, pouf. Ciao, bah, tchuss. Bon, votre texture pack est mis dans votre Minecraft. Vous allez être peut-être content si vous voulez le faire. Moi, je l'ai fait. J'ai mis le lien dans cette fiche, comme d'habitude. Ouais, bon, ça commence à bugger. C'est Minecraft France, comme d'habitude. Et, comme d'habitude, ciao pour une nouvelle vidéo.